je crois que contrairement à Jeff Koons l'année dernière, Xavier s'empare du paysage territoire de Versailles, tant à l'intérieur du château, comme on le voit avec la magnifique light machine derrière moi, qu'avec les œuvres en extérieur, où il part de la cour d'honneur avec ce carrosse qui est déjà un hit de cette rentrée, tant il est assailli par les visiteurs, qu'au plus grand jet d'eau du monde, si je puis me permettre l'expression, qui vient transformer notre vision du Grand Canal.